Helmut Marko défend Sergio Pérez pour sa course à Suzuka. Il n'a pas suggéré la vitesse de Max. Alors, encore une fois, le titre a changé alors que c'était marqué Helmut Marko protège Pérez. Bon, c'est étonnant, c'est étonnant. C'était un jour de malchance. Ça a commencé avec l'entraînement, les essais libres où il n'a pas fait face à la vitesse de Max. Et dans la course, tout s'est mal passé. Je suis convaincu que la prochaine course, il sera à nouveau là. Un jour de malchance, mais non, en fait. C'est juste un mec qui crache des pilotes. Non, mais vous avez vu son attentat sur Magnussen? Encore une fois, c'est comme Albon sur Albon à Singapour, pareil. Et après, le mec, il abandonne et on le refait sortir pour purger la pénalité. Ça va les magouilles? Non, je suis désolé, quand t'abandonnes, t'abandonnes en fait. Tu refais pas sortir la voiture pour purger la pénalité exprès et repartir à l'abandon après. Non, ça devrait pas marcher comme ça. C'est n'importe quoi, encore une fois, ça magouille hein, du côté de chez Red Bull. Quant à Perez, bah, franchement, il aurait mérité des places sur la grille du prochain Grand Prix plutôt que de purger sa pénalité sur celui-là. C'est vraiment lamentable. Bref, un pilote lamentable dans une écurie lamentable. Voilà, au moins, c'est logique. Allez, ciao.